Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais poncer une table en fer et je vous montre comment je la ponce. Je ponce avec ça. Bien sûr, il faut mettre 10 gants. Alors, je la ponce, après je nettoie avec un chiffon comme il faut, donc il est presque poncé et on va le peindre ensemble. Donc ça c'est une table pour jardin. Donc regardez comment j'ai poncé jusqu'à là, il est bien poncé. Il manque que le nettoyer. Après, on va le peindre ensemble. J'ai rajouté un peu de papier vert. Juste pour qu'elle devienne lisse. Après, je la nettoie avec un chiffon. Comme il faut. Il faut que ce soit bien lisse. Et là, il faut que je nettoie comme il faut. Avec le chiffon, je rajoute un autre chiffon plus propre et je nettoie encore comme il faut. Et là, je mélange la peinture. Voilà, là, j'ai nettoyé bien la table avec un autre chiffon. Là, on voit le fond de la table. Et là, je mélange la peinture. Voilà, je mélange bien la peinture avec un bout de fer, un bout de moi je fais un roseau. Il faut bien mélanger. Ça c'est la peinture pour le fer. Hein. Allez, je mélange là, la peinture. On va commencer. J'ai commencé la première couche. Après que j'ai mélangé la peinture, dans la première couche, il faut tirer la peinture comme il faut. Le pinceau, il est comme ça. Il s'appelle, je pense, la pâte de lapin ou un truc comme ça. Voilà. Il faut bien tirer. Il ne faut pas oublier les bords. Je finis ma première couche et je reviens avec. Voilà, j'ai fait la première couche. Il faut tirer la peinture à peu près 3 minutes. 3 minutes à cette façon. Jusqu'à. Il faut compter 3 minutes. Il faut tirer la peinture chaque coin de la table. Tout le tour, au milieu, partout. C'est-à-dire qu'il faut le tirer comme il faut la première couche. Voilà. Déjà, on voit le résultat. Très belle, très magnifique. Voilà. On voit qu'il est déjà changé. Alors, on va le laisser sécher à peu près une demi-heure. Et après, on fait la deuxième couche. Et là, j'ai fait la première couche. Et là, je vais commencer la deuxième couche avec. J'ai laissé la table sécher à peu près une demi-heure, une heure. Et là, je commence la deuxième couche
Voilà comment c'est ensemble. Deuxième couche, donc on commence du bord. On part avec les bords, c'est pas. On tire aussi la peinture. On commence un côté, après on va vers l'autre. Je retire aussi la peinture comme il faut. La peinture, une fois tirée, elle sera comme ça, comme ça. Et alors, j'ai fini ma table et je vais voilà, après la 12e couche, voilà ce que ça donne. Très jolie table. Donc, j'espère que ma peinture, elle vous plaît. Et ma table aussi, c'est un vrai chef-d'œuvre. Voilà. C'est un vrai tableau. Donc une fois fini, elle donne ça. Donc il faut la laisser sécher. Merci, à bientôt. Il ne faut pas la laisser dans l'humidité. Faites attention. Une fois fini, il faut la rentrer ou bien couvre-la. Mais surtout, il faut la rentrer dedans. Dans un garage ou en dessous d'un toit. Sinon, l'humidité va le ravager. Allez. Merci, à bientôt.